Bonjour et bienvenue sur le site Tout au Piano. Je voulais avant tout vous remercier de votre fidélité. La chaîne a déjà plus de 1000 abonnés et j'espère répondre à vos attentes lorsque sont mis en ligne les tutoriels. Cette fois-ci, et c'est une première, vous aurez des commentaires parlés. Ce ne sera pas régulier car cela demande beaucoup de préparation, mais sur des morceaux où cela le nécessitera, je prendrai la parole. Et justement, je vous propose de jouer la marche turque de Mozart, un monument de la musique classique et certainement aussi le plus étudié dans les cours de piano. Notre démarche sera de le travailler de manière progressive selon trois niveaux de difficulté. Cependant, chaque niveau peut se travailler de manière indépendante. Donc à vos pianos et à tout de suite. Merci. Dans cette version débutant, effectivement, j'ai fait en sorte quand même qu'on reconnaisse un peu le morceau. Donc en fait, j'ai surtout simplifié la main gauche, mais vrai que niveau main droite, il y a beaucoup de similitudes avec la version originale. Donc voilà, nous allons voir tout ça. Donc nous allons placer notre main droite comme ça, avec le Si sur le 4. On passe le 1. Pouce sur le La. Ensuite, on met le 3 sur le Ré. Ensuite, le 4 sur le Fa. On repasse le 1 sur le Mi pour aller chercher en 4 le Si. Sur le Do. Ensuite, on se met en 2 et 4 pour faire La et Do. La, Do. Et ensuite en 5 pour le Si. Et là, nous allons jouer avec tous les doigts de la main. Donc voilà, le doigté est important pour ça, pour avoir le moins de déplacement de la main. Nous allons refaire ça un peu plus rapide. Cette partie-là, c'est vraiment comme la version originale. Il n'y a que ce passage-là qui change. Voilà. Ensuite,
nous allons mettre la main gauche, on se met donc en 2, la main gauche sur le La, hop. Regardez bien à quel moment on place cette main gauche. Et là, nous allons à la main gauche se placer en 5 sur le Mi. Donc en 1 sur le Si, sur la gauche. Et on revient en 5 sur le Mi. Voilà pour cette première partie. Nous allons faire la deuxième partie. Voilà ce mouvement-là, voilà. On se met pour un moins de déplacement, donc le 2 sur le Mi, mais là le même mouvement en se mettant le 2 sur le Do. Donc, c'est deux notes en dessous. Hein. Voilà, c'est exactement le même mouvement. Je monte et puis je redescends. Je redescends la main en usant toutes les notes de la main. Avec la main gauche, donc, c'est la main gauche. 5, 3, 1. Voilà donc. 5 sur le Do, 3 sur le Mi, et 1 sur le Sol. Et là, même mouvement, main gauche, en se mettant sur le La. Et en 5, le Do en 3 et le Mi en 1. Cette partie-là ne pose pas trop de difficultés. Donc là, on refait comme la partie du début, mais cette fois-ci en se mettant, effectivement, au lieu d'être en 2, on se met en 1 sur le La, à la main gauche. Sur le Fa. Regardez la main droite. Et là, on regarde ce mouvement, je le mets très lentement. Là, je me mets en 5, donc là, le seul mouvement un peu compliqué. Et là. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire sur cette partie. Ensuite, la dernière partie, on se met en 3 sur le La, et regardez à ma gauche en 1 sur le La. Et là, la main ne bougera plus du morceau. Donc je vais pas vous commenter plus que ça, regardez bien, c'est vraiment pas très compliqué. Donc ma gauche, je vais vous dire ce qui se passe, donc là à la main gauche, ensuite le Ré, le Mi, et on revient sur le La. Voilà, bah, voilà, j'espère avoir vu un peu toutes les difficultés du morceau. Bon travail, et à tout de suite donc pour le tutoriel pour les intermédiaires. Thank you.
Alors, dans cette partition donc intermédiaire, nous allons voir quelles sont les difficultés par rapport à la précédente partition, et la difficulté réside essentiellement dans la main gauche, qui est en fait quasiment la main gauche de la partition originale. Donc. Alors, à bien travailler, vu que la main droite a été travaillée sur la précédente partition. Regardez ce que ça fait avec la main droite. On se met en 5. Voilà. Donc deuxième partie, on se met en 2 ici. Et là, nous allons faire des doubles, enfin des croches, pardon, à la main gauche. Donc là, vous avez vu qu'on a juste baissé d'un ton et demi, hein. On est passé du Do et on fait exactement la même chose. Donc entre et ça, voilà. Donc, à savoir parfois sur la partition simplifiée, repérer voilà, les passages qui se répètent pour éviter de trop se prendre la tête. Voilà, donc ensuite on reprend. Attention, on va aller très doucement, parce que c'est le passage le plus difficile du morceau, certainement. Et là, je mets en 5. Ok, ensuite la dernière partie. Donc j'ai décidé de faire que des octaves. Donc c'est pas évident, mais on s'y retrouve plutôt pas mal. Donc en Ré, Ré dièse. Voilà, donc que des octaves donc qu'on fait avec 1 et 5 et 5 et 1. Voilà. Voilà pour cette partition intermédiaire. Thank you.
Alors, sur la partie originale, nous allons essayer de voir un peu le morceau en entier, très lentement, et on va essayer de faire un focus sur les difficultés. On est parti. Alors, première difficulté. Regardez cet arpège, jouer très rapidement. Donc. Alors cet arpège, regardez bien, 1, 2, 3. Après on se met sur 2 et 4. Ensuite, haute difficulté. Donc ça sera sa deuxième partie. Et ce mi, on ne jouait pas avant la main droite. Il se joue qu'une fois, vous voyez, sur la deuxième partie de... il se joue plus. Et après on repart. Le trémolo, on va s'y attarder. Trois fois, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, la partie la plus difficile, c'est certainement celle-là. Les arpèges, regardez, très joué, pratiquement joué. Donc. Arpège de Ré majeur. Cet arpège, vraiment, elle est très lentement au début. C'est là, off, aussi, hein. Voilà les arpèges, donc c'est vraiment on va dire, le moment le plus difficile du morceau. Voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir autant que moi pour ces petits conseils. Bon, je dois avouer que je serai de plus en plus à l'aise à prendre le micro. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel sur Tutto Piano. À bientôt, au revoir.